vous remercier d'avoir accepté cette invitation pour le premier club de l'écho en 2014. Donc évidemment, nous avons choisi une thématique en rapport avec l'état de développement de la filière vitivinicole en Languedoc-Roussillon et surtout à l'extérieur, puisqu'on va poser le problème de la perception de son image. I think it's very hard for an English person to compare Languedoc-Roussillon and Burgundy and Bordeaux. On a plus de 340 jours de soleil par an, plus de 240 jours de vent. Donc c'est naturellement une région propice à faire des bio. En termes de communication, on va parler d'abord de la communication interne, c'est-à-dire la fédération de toutes les forces vives en matière de vin, que ce soit les caves particulières, les caves coopératives, que ce soit les groupements de producteurs ou le négoce, et que ce soit interrégional. Le deuxième point, ça va être de fédérer tous ces hommes sur un concept, sur une valeur. Cette valeur, ça va être Sud de France, qui va être relayée par les pouvoirs publics au niveau de la région, mais également que la région fasse du lobbyisme aussi auprès du pouvoir public en disant que la viticulture est la première force économique avec le tourisme et l'agrotourisme et que les pouvoirs publics doivent se comporter de manière mature vis-à-vis des richesses de son propre pays. J'ai un support commun à l'ensemble par exemple d'une région qui va être donné par exemple par Sud de France grâce à une mutuation d'efforts qui permet d'atteindre des niveaux de notoriété, d'image, de connaissances, d'attirance, etc. Qu'on ne serait pas capable d'obtenir tout seul. La spécificité d'une marque régionale, je pense que c'est avant tout sa complexité. C'est-à-dire qu'elle est à même de promouvoir différentes catégories de produits. Donc elle est transversale, on parle de marque ombrelle. En même temps, elle s'adresse à différentes cibles. Des citoyens, des consommateurs, des décideurs d'entreprise, des politiques, donc toute une gamme de cibles. Et en plus, elle doit, je dirais, être gérée dans un processus partenarial et non pas, je dirais, top-down, comme le sont les marques commerciales classiques. Une marque, c'est d'abord un repère, évidemment sur la base d'un nom, d'un logo. Sud de France soit une marque très connue en Chine parce qu'au début, ce sont surtout les importateurs qui connaissent cette marque et petit à petit, les consommateurs commencent à connaître. Donc, premièrement, il faut mettre en relation plus avec les importateurs chinois et deuxièmement, il faut faire un peu plus d'activités en Chine pour qu'on facilite notre travail avec les producteurs. On a pu s'implanter sur la Chine grâce aux maisons du Languedoc-Roussillon et à partir de là, ça a été un démultiplicateur. La mondialisation, on a tous voté et à partir de là, donc, la communication doit être au niveau de moyens que demande la mondialisation et c'est pour ça donc la piste d'un regroupement, en tout cas d'une réflexion dans un premier temps entre tout ce que je peux appeler la romanité, le néoclassicisme du vin que l'on va retrouver sur le bassin méditerranéen au travers des vignerons espagnols, italiens, sud de France, mais également qu'on va retrouver en Corse et pourquoi pas demain dans certaines régions du Maghreb qui ont une histoire viticole, on puisse se réunir, mettre en commun des moyens pour développer un concept de communication à l'opposé des vins du Nouveau Monde, qu'ils soient du Nouveau Monde anglo-saxon ou du Nouveau Monde hispanique.